aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour sur GTA, mais pas avec Bobby aujourd'hui, puisqu'on va participer tout simplement à un event qui a été fait par Giovanni. Et on va tout simplement nous intégrer une famille, bah tout simplement déjà en place dans le RP, mais avec un perso secondaire qu'on va appeler Carlos, qui va être le stagiaire entre guillemets de ce groupuscule, pour voir un peu comment ça se passe dans l'illégal. Et vous allez voir que il y a beaucoup de choses de prévues ce soir, justement pour qu'on voit ce qui se passe sur le serveur. Du coup il y aura Bobby et Carlos, on va pouvoir alterner entre les deux. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti, let's go. Ah oui, et bien sûr si tu veux te connecter sur le serveur, tout est dans la description, le Discord, tout ce qu'il faut pour savoir comment venir jouer. Allez, c'est parti. Ah bah le voilà. Ok, mais moi je suis habillé vraiment pas du tout comme il faut. Salut mec. Salut. Bah c'est moi Carlos. Par contre on m'avait pas prévenu que c'était un motard que je devais venir. Bah ouais c'est moi le stagiaire. C'est quoi ton nom? Mais ouais. C'est 02. T'as pas de nom, c'est un numéro ton. Ouais exactement. Ok ça marche. Du coup ouais je suis là pour le stage là. Du coup j'espère que ça va être un bon stage. Ah pas de soucis, attendez. Je reçois juste l'appel pour le lieu de rendez-vous. Ok ça marche. Donc là on va à un lieu de rendez-vous, c'est ça? Un rendez-vous secret. Exactement. Il y aura pas mal d'organisations pour des armes ou de la drogue. Donc là c'est un point de rendez-vous pour un événement avec les groupes illégaux. Encore une fois je préfère vous le dire. Et du coup moi en fait je serai en tant que stagiaire dans ce groupe illégal pour voir comment ça se passe en fait tout simplement l'illégal sur le serveur. Et je pense que ça va être grave cool. Donc let's go. Hop là. J'enlève mon casque là, putain je vais avoir l'air d'un con. En plus vous êtes tous habillés en noir et moi je suis le seul en blanc, je suis vraiment un gros con. Dans la dernière, on attend une moto. Plus personne ne dit. J'ai presque plus d'essence moi dans mon véhicule. Cette fois-ci tu me suis, rentre pas dans les problèmes d'essence même en jeu. J'entendais même en jeu les problèmes d'essence, c'est pas que dans la vraie. Voilà, ouais, c'est mon véhicule. Super. Alors. Vous avez du dérangement, mais du coup, si vous êtes ici ce soir, c'est pour un but très simple, d'accord? Ok. Achat d'armes, on a pris vos montées de calibre ici dans cette ville. Moi je suis venu, ce qui m'intéresse c'est l'argent, j'en ai rien à battre de vous, d'accord? Oula. Bon, on va commencer par un tri sélectif, très simple. Ceux qui ne sont pas là pour ça ou qui ont peur, vous pouvez partir. Des risques, hein? Risques. Oh, y'en a un, il s'en va. Bouh. Ah non, y'en a, il devrait pas. Je ne traite pas dans les affaires illégales. Ouais. Bouh. On vient. Y'a personne qui les tue là. Okay. Ouais. J'espère qu'ils vont pas parler. Après, je pense qu'ils sont assez malins pour venir en neurone. Ok, y'en a deux qui vous se barrent. Vous l'avez compris. Nous, on reste. Drogue, on reste, nous. On est des bonhommes. Arme. Pouvoir. Drogue, arme. Ça marche comme ça. Ok, mec. Heureusement. Caillou est un point protégé un peu par des poyos. Ah ça, Caillou Péril. Ils savent qu'il y a du trafic. Ils commencent à me casser les couilles, d'accord? Okay. Donc le pont, c'est mort. Il me faut un autre moyen, moi, d'accéder. Okay. J'ai stationné des avions sur un aéroport abandonné dans le nord. Oh non, mais je suis pas piloté, moi. Seuls les meilleurs pilotes les conduiront les autres passagers, d'accord? C'est toi qui vas piloter. Vous allez devoir passer en rase-motte au-dessus de l'océan pour éviter tout type de radar, comme vous pouvez le savoir. À côté de ce pont, il y a un putain de porte-avions. Non mais attendez, moi je sais pas piloter des avions. Vraiment pas. Ceux qui pilotent des avions et des hélicos donc, sur GTA, vous êtes de contourner, trop fort. Vous atterrissez, et puis on est bon. Une fois là-bas, vous prendrez mule, argent, drogue, et tout ce qui s'ensuit. Essayez de pas vous faire repérer pendant ce trajet. Être, c'est conduire un avion, parce que moi je sais pas conduire un avion. Hein. À peu près, à peu près. Comment ça, à peu près? Non, mais y'a pas d'à peu près, c'est toi qui dois conduire, mec. Ouais, j'en ai déjà conduit un. Mais y'a combien d'années, frère? C'est pas ta moto, ça. Hein. Ta moto, elle est là. Putain, tu reconnais même pas ta moto. Attends, mais quand tu dis à peu près pour l'avion, tu veux dire quoi, à peu près? Par à peu près, c'est l'atterrissage qui va être compliqué, quoi. Oh, décollage et le pilotage, ça c'est ok, c'est maîtrisé, c'est l'atterrissage le pire. Ouais bah il va falloir que tu te concentres 02, ok, parce que t'es mon maître de stage, donc s'il m'arrive quelque chose c'est à cause de toi, ok. T'auras peut-être pas de bilan de stage, hein. Ouais bah de toute façon je pense que je sais pas à qui tu vas le faire le bilan, mais yes. Et là on y va tous là et on n'est pas en concurrence, c'est ça? Non.
Là, il y a toutes les organisations. Non, mais c'est trop bizarre qu'il ait laissé passer l'EMS. Moi, je l'aurais viré. Ça se trouve, c'est un indic ou quoi. C'est trop bizarre. Ouais, je le connais, je le connais. Mais je dois dire que c'est pas un indic. Ah, bah, j'espère bien, parce que sinon. Non, sur le point là où on va, bah, il y a directement. Il est derrière nous. Ah, oui, bien, bien joué, c'est ça. Ouais, je connais tous les véhicules. Ouais, bah, bien joué, mec. Ok, c'est là. Okay. Oula. Vas-y. Si, t'es qu'avait pas. Tu t'es pas arrivé? Non. Les chefs. Et... Ah bah ah, là, il va falloir prendre un avion, hein, vous êtes beaucoup, j'ai dit, il y en a on beaucoup combien qui combien par avion? À deux. Ça dépend, une ou deux, ça dépend. Deux pour ceux qui savent piloter, sinon c'est un. Moi, j'ai pas piloté. À moins t'as quelqu'un qui sait piloter. On peut prendre notre avion là, ça y est? Ouais, mais partez chacun de vous, chacun votre tour, vous, hein. Ouais, ok. Attention. Ah, 0-2. C'est toi qui choisis ton avion là, hein. C'est pas moi qui conduis donc. Ouais, j'attends choix, que tout le monde parte parce que sinon ils vont nous rentrer dedans. Ouais, comme ils savent bien piloter. Putain, hein. T'es intelligent 0-2, j'avoue. Attention les hélices! Fais gaffe aux hélices. Ok, ok, je fais gaffe aux hélices. Fais gaffe à l'avion blanc à droite. Et ouais, je l'avais vu, hein. Et je te jure, je te fais confiance, mec. Ah, c'est. Je fais pas n'importe quoi. T'inquiète. Okay. Oh, bah déjà, l'avion blanc là en face. Oh, l'avion blanc, il est déjà par terre. Je l'ai pas vu redécoller. Oh, il est là. Oh putain. Oh putain, j'ai peur. Oh putain, j'ai peur. Ça me fait flipper l'avion, putain. Oh putain. Je te fais confiance, mec, hein. Eh les gars, j'ai trop peur. On va mourir, je sens. En plus, faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on vole super bas en rase mode pour éviter les radars, c'est ça? Ok, les gars. Notre but, ça va être d'arriver à Cayo Perico en rasant l'eau pour pouvoir avoir accès aux ventes d'armes et de drogue. J'espère que ça va être cool. Ok, on va descendre, les gars. On est en train de descendre en basse altitude de ouf. Je vois pas d'autres avions. Attends, je sors les trains pour perdre de la vitesse. Vas-y, je te fais confiance à 100%, ok? J'ai pas de parachute si jamais je te fais pas confiance de toute façon, donc j'ai pas le choix de te faire confiance. Mais même moi j'ai pas confiance en moi, comment tu vas avoir confiance en moi? Mais confiance en toi mec, t'es le boss, ok? Je te sens totalement chaud là. Il faut absolument que tu me mettes ça. Hein. Ok, ok, vas-y. Plus à droite, plus à droite, plus à droite. Ok. Ça va un peu. C'est maîtrisé. Bien joué mec. Je sais même pas comment j'ai fait, hein. Où y'a ta drogue si t'en as, ou sinon tu prends ton argent, etc. Je vais prendre l'argent. Regarde ma voiture. Attends, mec. Je prends l'argent. T'as pas intérêt à faire de la merde, non? Par contre, elle est crade ma voiture, quelle île de merde. Regarde tout le sable qu'elle a pris. C'est peut-être parce que tu l'as pas lavé avant. Hein. Non, je l'ai lavé, c'est juste que je l'ai laissé dans ce parking et regarde le sable qu'il y a. Eh bah, fallait pas. T'as pas trop peur, 0-2 avec moi? Non, ça va. J'ai confiance en tes talents de pilotage. Enfin, à peu près. Bah, j'ai plus de talents de pilotage en voiture qu'en avion, quoi. Moi, c'est autant. Hein. Okay, c'est quoi ces jeeps? Alors ça, pour ta petite culture, c'est des jeeps de la guerre, quoi. De l'armée. Ouais, je suis au courant, mais ils sont pas ouf. Super, alors déjà, qu'il y a de la drogue là, qu'on fasse ça vite. Pas moi. Super, mets dans le camion. T'as de la place dans ton camion? Genre beaucoup de place? Oui, mais par terre, okay. Dans l'armoire. Je te rapproche le camion parce que... Ok. Ok, en fait, c'est des organisations qui sont déjà faites souvent dans la semaine pour revendre la drogue et acheter des armes, c'est trop cool, je trouve. C'est bon, lui, super. Alors, qui veut des armes? Qui veut les tarifs? Qui veut quoi? 0-2, là, il veut des armes. Moi. Super, 0-2, là, tu veux quoi? 2 Tech 9. Super, passe-moi l'argent. On prend quoi comme arme? Ok, t'as mon collègue. La drogue, j'étais tout déposé par terre. Wow, trop cool. Je te la refile quand ma journée elle est finie de stage. Eh, y'a des sirènes, tout le monde dans les coachés que j'ai pris. Non, pas cela, prenez mes coachés à moi, tout le monde. Non. Vas-y, monte 0-2, 0-2. Mais attends, mais on laisse ma voiture là? Oui, on s'en fout, la voiture on s'en fout, honnêtement. C'est pas la priorité. 4-4, il est toujours pas dans son 4x4, je vais péter mon crâne. Il veut qu'on se soit sneaké par les poyos ou? Bande de bouffons, je vous avais dit de voler bas, putain! Bah, on a volé bas, hein! Ah, bah, nous on a volé au plus bas, hein! Bah, ça n'a pas le cas si nous ont repéré, hein! Ouais, y'a les flics qui vont nous attendre en plus. Je sais même pas pourquoi on part, parce que cette planque, ils peuvent pas y venir quasiment. On va voir, hein! Vas-y, je me concentre. Putain, mais mec, j'ai fait chier. Et les codes flics? Mec, j'ai trop peur si je me plante. En fait, là, tout est sur moi vu que je conduis. Oh, qu'est-ce qu'il fait, gros? Allez, avance! Tu feras gaffe, ton visage va être reconnu. Ouais, bah je m'en fous, moi j'ai peur de personne, ok? Je suis un vrai gangster.
Ah bah, tu diras ça aux flics, hein. Ouais, bah je me ferai pas arrêter, donc je m'en fous. Tout le monde dans le bateau, tout le monde dans le bateau, un conducteur, vite, tout le monde dans le bateau, allez. Allez, Marcel, on y va. Allez, il faut un conducteur, là, messieurs. Un conducteur, un vrai conducteur, hein. Eh, le mec à chapeau, t'as pas intérêt à chier. Vous allez devoir aller là-bas, d'accord. Super, allez-y, partez, partez. Adios, amigos, beau gosse. Eh, chef, j'espère que c'est pas un traquenard. Ah, y'en a un, il est resté là-bas. Y'avait un des mecs, en fait, il est resté là-bas. Y'a un mec, il est resté là-bas. Ok, y a on va carrément s'écarter des autres. On prend force, ouais, deux mecs, nous viens, on va de l'autre côté. Bon, c'est trop stylé. Limite, on va être plus intelligent. Il est bien gentil. Bon, il m'a encore donné des coordonnées sur mon téléphone. Ok, et tu viens de les mettre là? Ouais, mais le problème c'est que c'est idiot. J'ai essayé de m'approcher de l'échelle. Ouais, j'ai pas trop envie de me mouiller. Hein. T'es déjà mouillé là. Allez, viens, 0-2. Même pas mouillé. Ok. Attends, on est que deux là? Y'a que deux bateaux qui sont arrivés ou quoi? Eh hey, mais attends, parce qu'on a vu l'hélico retourner vers Cayo Perico, donc ça se trouve en fait, il y en a qui se sont fait choper. Hein. C'est trop stylé, si mon gars. Si on n'a pas de points rapidement... Bah faut qu'on se casse, on va pas rester là 8 ans. Hein. Ah, j'entends un bateau, non? Je vous ai promis un bon véhicule, merci pour l'argent. Ah, il nous a arnaqué? Mais non. Ouais. Moi, je m'en viens, on prend le bateau, on se casse, Ah ouais, mais c'est ceux qui ont donné la drogue et l'argent qui se sont fait arnaquer, non? Nous, on a eu quand même nos armes, donc on s'en fout au final. On s'est juste pas fait choper par les flics, quoi. Mets-moi un point où on va où? Bah, je sais pas. Mets-moi un point au pire et moi je te dépose et comme ça je te rends ton arme et j'aurai vécu ma journée de stage, tu vois. J'espère juste qu'on va pas se faire cueillir par les flics arrivés à l'aéroport. Enfin, au port. Quoi. Va au port là, juste en face. Ouais, mais c'est ce que j'allais faire. Hein. Range ton arme au cas où quand même qu'il y ait les flics. Bon, moi on a réussi à en échapper et puis j'ai mon arme. Il y en a, ils ont dû se faire choper de fou parce qu'on était que 4 à l'arrivée alors qu'on était je sais pas est-ce combien. Est-ce que tu es prêt? Je t'ai mis point au QG. C'est quoi ici? C'est chez toi là? Ah, c'est notre QG. À droite. C'est pas des maisons, tu vis dans un garage, mec. Bah, garde-toi. Attends, je vais la garder. Vas-y, bah garde. Hein. Putain, faut que je lui donne son arme. En vrai, j'ai trop envie de refaire des trucs avec et du coup, je vais lui dire je vais garder l'arme. Je vais te rendre ton arme, tu vas la mettre dans un coffre parce que, en vrai, moi, tu m'as grave donné envie de revenir. Hein. C'est grave cool de venir faire des trucs avec toi là. Ah, bah y'a pas de soucis. Bon, après, j'espère que vous acceptez les Iroquois et les mecs qui s'appellent Carlos quoi. Mais... Par contre, qui nous redouille comme ça, la prochaine fois, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Non, mais avec par contre, ouais, mais parce que nous, on s'est pas trop fait douiller, tu vois. Mais imagine si on s'est fait vraiment douiller, tu vois. Celui qui a donné sa drogue, il aura pas sa thune. Celui qui a donné sa drogue, il aura jamais d'argent, mec. Y'en a, ils doivent être vraiment vénères. Bon, vas-y, je vais me coucher, merci pour ce stage et à demain, vas-y. Ok. Nickel le canap. Hop là. Il est en cuir, il coûte cher. Ok, bah je vais poser mes chaussures. Bon, bah j'espère que ça vous a plu en tout cas cette action RP sur GTA avec notre nouveau perso Carlos dans l'illégal. Et franchement, c'est cool. Mais Carlos, il faut qu'il s'intègre et ça va être drôle. Et franchement, c'était surtout pour voir comment ça se passait dans l'illégal sur le serveur. Et je trouve ça grave cool. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je pense que les flics se sont régalés aussi. Nous, on a eu de la chance, on les a pas trop vus. En tout cas, un maximum de likes si tu veux revoir un épisode de GTA, surtout avec Bobby ou avec Carlos. Je vous kiffe. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir. N'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire. Et tu t'abonnes et tu mets la cloche, c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne.